bless you this morning. And may his peace that transcends all understanding be your portion. And I thank the Lord for the Father of the house and for all that is using me to do. And I thank him also for your life. And my prayer this morning is that the Lord will meet you at the point of your needs. Matthew 21:1-10. Okay, Matthew 23. 21. Okay, 21. Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, go into the village in front of you, and immediately you find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say the Lord needs them, and he will send them at once. This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a beast of burden. The disciples went and did as Jesus has directed them. They brought the donkey and the colt and put them their cloak, and he sat on them. Most of the crowd spread their cloak on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. And the crowd that went before him and that followed him were shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he entered the host, when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, who is this? And the crowd said, this is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Hallelujah. Everywhere he went, he was doing good. The Lord loves you. He loves you. He wants to bless you this morning. He wants to set you free from every captivity. According to what we read, when Jesus was preparing his triumphant entry to Jerusalem, he sent two of his disciples to go to a nearby village. Et aller au village à côté du village. And he said there they will find a donkey and his and her cow. Et il a dit qu'ils vont trouver un âne et une ânesse. And he instructed them that they should untie it et and bring it to him. Et il leur a dit de détacher le lui envoyer. Because he needs them. Parce qu'il avait besoin d'eux. My brother and my sister, the Lord needs you. Frères et sœurs, le Seigneur t'aime. Therefore, he is calling you this morning. C'est pourquoi il t'appelle ce matin. If you accept him, si tu l'acceptes, oh, you will never be the same. Tu ne seras plus la même. Your life will change for good. Ta vie va changer pour de bon. Hallelujah. Amen. Amen. And when this disciple went to the village, et quand les disciples sont partis, they did ask the Lord instructed them. Et ils ont fait ce que le Seigneur leur avait dit. Nobody knows the condition of the donkey that time. Et personne ne connaissait la condition de ces années, de ces deux animaux. And how long they have tied it. Et combien d'années ils étaient attachés là. But the day the disciples went and untied it. Et le jour où les disciples sont partis et les ont détachés. That was the day of her liberty. Et cela était le jour de leur liberté. Today is the day of your liberty. Aujourd'hui
traverses. Maybe your condition is like this of. Peut-être que ta condition est comme pour celle des animaux. You are oppressed. Tu es oppressé. You are in bondage. Tu es attaché. You can no move forward. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas reculer. Today is your day of liberty. Aujourd'hui c'est ton jour de liberté. Today is your day of freedom. Aujourd'hui c'est ta liberté totale. Because Jesus. Parce que Jésus. The one who died and rose on the third day. Et celui qui est mort et le troisième jour a été ressuscité. He is here to set you free. Il est là pour te libérer ce matin. He is here to give you freedom. Il est là pour te donner la liberté. He is here to change everything about you. Il est là pour te changer toutes choses dans ta vie. What is your problem this morning? Quel est ton problème ce matin? What is oppressing you? Qu'est-ce qui t'oppresse ce matin? What is preventing you from going forward? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant? The solution is in Jesus. La solution est en Jésus. So Jesus is calling you. Jésus t'appelle ce matin. Do not harden your heart. Ne détiens pas ton cœur. He wants to set you free. Il veut te libérer ce matin. He wants to set you free. Il veut te libérer ce matin. What is your problem? Quel est ton problème? Nothing is too hard for the Lord. Il y a rien de grand pour le Seigneur Jésus Christ. He is ready to intervene in your life. Il est prêt pour intervenir dans ta vie. If you give him the opportunity, si tu lui donnes cette opportunité, he will roll every stone that is upon your life. Il va enlever toutes les pierres qui sont sur ta vie. So do not harden your heart this morning. Ne cache pas tes problèmes ce matin. Come to him. Viens à lui. Come to him. Viens à lui. Because he's ready to set you. Parce qu'il est prêt de te, il est prêt à te libérer. Hallelujah. Amen. There are people who are oppressed by so many things. Il y a des gens qui sont oppressés par beaucoup de choses. For instance, the woman with the issue of blood. Par exemple, la femme dans la Bible avec la peine du sang. The Bible says that she suffered this infirmity for so long. La Bible déclare qu'elle a souffert de cette maladie pendant plusieurs années. And she roamed from hospital to hospital, from doctors to doctors. Elle allait dans certains hôpitaux, hôpital à hôpital, de docteur en docteur, mais elle n'a pas eu la solution. She could not find a cure to her problem. Elle n'a pas eu de solution à son problème. And there is another one who was burned with arthritis. Et il y a une autre encore dans la Bible qui a été attachée par les attractions. She could not walk straight. Il ne peut pas marcher. She too, she went from doctors to doctors. Celui-ci aussi elle est docteur en docteur. She could not find solution. Il n'a pas pu trouver une solution. But the day they met Jesus. Mais le jour là où ils ont croisé le Seigneur Jésus. The day they met Jesus. Le jour où ils ont croisé le Seigneur Jésus. The Son of God. Le Fils du Dieu vivant. Oh, they were made whole. Oh, ils étaient élevés. Their story changed. Les histoires changées. That sickness flee their body. Oh, cette maladie a été épargnée de leur vie. And they had their freedom. Et ils ont eu leur liberté. So is sickness your problem? C'est la solution. La maladie est ton problème? Is it a disease, a chronic disease that is your problem? Il y a une maladie chronique qui est ton problème présentement. The Lord is here to heal you. Le Seigneur est ici pour te libérer. If only you accept him. Si seulement si tu l'acceptes. If only you give your heart si to him. Si seulement si tu lui donnes ton cœur. He will heal you. Il va te guérir. Because on the cross of Calvary. Parce qu'à la croix du Golgotha. The Bible says he took away our infirmities. La Bible déclare qu'il a pris nos infirmités. He bore our sicknesses. Il a pris nos péchés. And by his wound. Et par sa résurrection, we have been healed. So his healing power is flowing this morning. Sa puissance est en train de libérer tout le monde. If you are here, you have any sickness in your body. Si tu es ici que tu as une maladie dans ton corps. By the power that rose Jesus from the grave. Par la puissance qui a levé Jésus de I command that sickness to flee your body. Je commande l'ensemble de la maladie de te libérer. In the mighty name of Jesus. Therefore, if you receive him, pour cela, si tu le reçois, healing will be your portion. Yes. La guérison sera ta portion. Yes. You will be free from every infirmity. Tu seras libéré de toutes les maladies. Sickness will no more have dominion over you. La maladie n'aura plus de dominance sur toi. Because he defeated sickness. Yes. Parce que notre Seigneur a défié la maladie. And set us free on the cross. Et nous a libéré de toute maladie. So receive him this morning. Reçois-le ce matin. And this blessing will be your portion. Afin que cette bénédiction soit ta portion. Hallelujah. Amen. There are some who are bound by demons. Il y a certaines personnes qui sont attachées par le démon. For instance, in the case of
Mary of Magdala. C'est pourquoi dans le livre de la Bible nous déclare le cas de Marie de Magdala. The Bible says that she was bound. La Bible déclare qu'elle était aveuglée. By demons. Par les démons. She was bound. Elle était attachée par les démons. She was not herself. Elle n'était pas en elle-même. She was controlled by this demon. Elle était contrôlée par le démon. Many people are in Christ. Beaucoup de personnes sont en Christ. That is their story. Ça c'est leur histoire. They are in Christ. Ils sont en Christ. But they are not free. Mais ils sont pas libres. They are controlled. Ils sont contrôlés. By this demon. Par ce démon. It is this demon that tells them what they should do. C'est le démon qui leur dit quoi qu'il faut, ce qu'il faut faire. The things they don't want to do, that is what they do. Les choses qu'ils ne veulent pas faire, c'est les choses là qu'ils font. And those that they want to do, they are not able to do. Et ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. If that is your story, et si cela est ton histoire, there is liberty for you this morning. The Lord is here to set you free. If you receive him, si tu le reçois, oh, he will deliver you. Il va te délivrer. In the mighty name of Jesus. When Mary Magdalene met Jesus, quand Marie Magdala a croisé Jésus-Christ, her story changed. Son histoire a changé. And after her deliverance, après sa délivrance, she began to follow Jesus. Elle a commencé à suivre le Seigneur. And she was the first person to be at the tomb of the resurrection. Et elle était la première personne à être présente. And she was the one who preached the resurrection. Et c'est elle qui a prêché la résurrection. So your case is not too difficult for God. Donc ton cas n'est pas assez difficile pour notre Seigneur Jésus. You only have to avail yourself. C'est seulement te libérer, te donner à lui. And God will change you. Et le Seigneur va te changer. Hallelujah. Amen. Some people they have so many troubles. Certaines personnes ont beaucoup de problèmes. That when they sleep, they cannot even have their peace. Quand ils dorment, ils n'ont pas la paix. They are troubled from head to toe. Ils ont plusieurs problèmes. Ils sont troublés par plusieurs problèmes. Their life is full of pain. Leur vie est remplie de peine. They are walking. You see them walking, but they are dead. Tu les vois marcher, mais ils sont morts. Because there is no peace in their life. Parce qu'il n'y a pas de paix dans leur vie. If that is your story, si cela est ton histoire, I'm here to give you good news. Amen. 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 Because Jesus, parce que Jésus, he is the Prince of Peace. C'est le Prince de la paix. He is the Prince of Peace. C'est le Prince de paix. Wherever he rule and reign, quelque partout là où il a passé. Peace is there. La paix est. So if you receive him this morning, si tu le reçois ce matin, the peace that transcends all understanding, la paix qui transcende toute incompréhension, will be your portion. Sera ta portion. Because before he was even born, parce que la Bible déclare avant même qu'il ne soit né, Isaiah prophesied about him. Isaiah a prophétisé à son égard. He said he is the Prince of Peace. Il dit il est le Prince de paix. And when he was born, according to Luke, et quand il est né à travers le livre de Luke, multitude of angels sang and they said glory to God in highest. Plusieurs anges ont chanté, ils ont dit gloire au Seigneur qui est aux cieux. And on earth peace to those who have his good will. Et il dit ici en bas paix à ceux qui croient en lui. And when he was departing from this earth, et quand il partait de cette terre, he told his disciples, il a dit à ses disciples, my peace I give to you. Ma paix que je vous donne, not as the world gives, pas comme le monde le donne, I give to you, que je vous donne. Do not let your heart be troubled. Ne laisse pas ton cœur. Nor let it be fearful. N'aie pas peur. Because I have overcome. Jesus is the Prince of Peace. Le Seigneur est le Prince de paix. If you receive him this morning, si tu le reçois ce matin, or rededicate your life unto him, ou tu lui dédicaces ta vie, you will have peace. Tu auras la paix. You will have peace. Tu auras la paix. You have peace that transcends all understanding. Tu auras la paix qui va transcender toutes les compréhensions. Hallelujah. Amen. The day that this court was set free, le jour que cela a été rendu libre, the destiny of that donkey, la destinée de ces ânons, was also changed. A changé. The Bible says that this cord was tied to the tree. Et la Bible déclare que ces ânons étaient attachés à un arbre. And he had no liberty of. Et il n'avait pas de liberté pour elle-même. And it was there day and night. Et elles étaient là jour et nuit. Maybe whether raining or shining. Peut-être quand il pleut ou il neige. That was
its position. Ils étaient toujours là parce qu'ils étaient attachés là. But the day Jesus ordered that this donkey should be set free. Mais le jour où le Seigneur a dit que cet ânon soit libre, the donkey's destiny changed. La destinée de l'ânon a changé. Today the Lord wants to change your destiny. Aujourd'hui le Seigneur veut changer ta destinée. Researchers said this donkey nobody had ever used it. Et la Bible déclare que ces ânons, personne n'a utilisé ça au préalable. It was there useless, without value. Et ils étaient là, attachés là, comme de rien n'était, et puis ils étaient là comme ça. But the day Jesus set this donkey free, this donkey became important. Et le jour que le Seigneur a libéré cet ânon, cet ânon est devenu très important. Value was added to the life of this donkey. Et la valeur était donnée à cet ânon. Maybe you are here, people do not even respect you. Peut-être que tu es ici, les gens ne te respectent pas. People do not accord you importance. Les gens ne t'accordent pas l'importance. You do not have any value in the midst of your peers. Tu n'as pas de valeur à travers tes amis, auprès de tes amis. You are like this donkey. Tu es comme cet ânon. But today Jesus is calling upon you. Mais ce matin le Seigneur t'appelle. Jesus wants to add value to your life. Le Seigneur veut donner une valeur à ta vie. If only you receive him. Si seulement si tu le reçois. Oh, he will change your destiny. Yeah. He will change your destiny. That donkey that nobody uses. C'est un nom que personne ne connaît. That the Jesus who is the King of Kings. Mais le Seigneur qui est le roi des rois. Who is the Lord of Lords. Qui est le Seigneur des Seigneurs. He sat on that donkey. Il s'est assis sur cet ânon. That donkey was the car that Jesus used. Cet ânon est devenu le car de Jérusalem. Pour entrer à Jérusalem. To declare that he is the King of Kings. Jesus added value to this donkey. Il a donné une valeur à cet ânon. So if you accept him. Et si tu l'acceptes, no matter how people like treat you, quelle que soit la manière dont les gens te traitent, no matter how useless you yourself you feel, quelle que soit de la manière que tu te sens délaissé, the Lord will add value. Le Seigneur va te donner une valeur ce matin. The Lord will add value to your life. Le Seigneur va ajouter une valeur à ta vie. Because he is the one who changed our destiny. Parce que c'est le seul et l'unique qui peut changer la destinée de quelqu'un. There is nothing difficult for him to. Il n'y a rien de difficile à notre difficulté. Il n'y a pas de rien de difficile à notre Seigneur Jésus-Christ. There is nothing too hard for him. Il n'y a rien de difficile pour lui. Many of us, if we tell you our background, where we are coming from. Si nous voulons te parler de notre début, là où nous venons. I always say that my family is like UN. Nations Unies. Voilà, UN, c'est ça qui. Ma famille est comme les Nations Unies. Everybody, almost everybody in the family, we are have something, your mother is have something, your father is have something. Et dans la famille, chacun avait toujours quelque chose, le père avait quelque chose, la mère, les frères, les soeurs, chacun toujours avait quelque chose, toujours. We are from far away. Nous sommes vraiment très, 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 très loin. Places that you cannot even imagine. Une place là où personne même ne pouvait imaginer. But if today, mais si aujourd'hui, God has called me to be a servant in his vineyard. Si Dieu a permis que je sois une servante, sa servante. Oh, the Lord can change you also. Le Seigneur également peut te changer. He can change your destiny. Il peut changer ta destinée. My mother, my father is a chief. Mon père était un chef. We are royals. Nous sommes dans une famille royale. And they practice polygamy. Et là-bas, on pratique la polygamie. Therefore, he married three wives. Et mon père avait trois femmes. Even though my mother is the first. Bien vrai que ma mère était la première. That was the family I came from. Et c'est de cette famille-là où je viens. Before I received Christ. Avant que je ne reçoive le Seigneur Jésus. And God changed my destiny. Si le Seigneur a changé ma destinée. That yoke of polygamy. Dans une famille polygame. Oh, it did not follow me. Demande la polygamie. The Lord broke that yoke. Il a brisé cette barrière-là. So if there is any yoke in your life, s'il y a une barrière dans ta vie ce matin, if there is any yoke upon your life, s'il y a quelque chose dans ta vie ce matin, oh, the Lord will remove it this morning. Le Seigneur va l'enlever ce matin. In the mighty name of Jesus. Amen. Because he did it for me. Parce qu'il l'a fait pour moi. The Lord, he can change destiny. Et il peut changer la destinée. Yeah. He is a miracle working God. Oh, Dieu miraculeux. I'm a type, I don't like trouble. Moi dans ma vie, je n'aime pas les troubles.
Because I'm no nonsense person. Parce que je suis pas une personne n'importe lequel. So I walk alone. Je marche tout seul. So that nobody will provoke me. Afin que personne ne me provoque. And I will display my things. Et je vais ranger ma vie comme il se doit. But when I came to Christ, avec lui. When I look at my life, quand je regarde ma vie, and what he has done, et ce qu'il a fait, and what he's using me to, et ce qu'il est en train de la main qu'il est en train de m'utiliser pour faire, I know that this God, je sais que ce Dieu, is a miracle working God. He takes the foolish things of the world to confound the wise. Amen. Il prend les choses miracles pour confondre les justes.
am one of them. Amen. Things that people do not respect. Les choses que les gens ne respectent pas. Things that people do not value. Les choses que les gens ne prennent pas ça à valeur. This donkey. Cet âne. They didn't value. Ils n'ont pas mis une valeur sur cet âne. It was tied by the owner. Nobody even cared to even remove it or tell the owner, why are you keeping this donkey in jail? Quand l'anneau est attaché pendant plusieurs années, personne n'est venu vers le propriétaire pour dire pourquoi cet anneau tu ne le libères pas pour se balader un peu dans la cour. Mais il était toujours là, quel que soit la pluie, le vent, vent et marée, il était toujours attaché là. But Jesus, mais Jésus, did not go and use maybe limousine. No. Il n'a pas utilisé limousine pour rentrer là où il devait rentrer. No. He went in for that useless. Sure. Oh. Mais il allait derrière ce négligé anneau. My brother and my sister, if you avail yourself, the Lord will use you. Amen. Si tu te rends disponible, le Seigneur va changer ta vie, va t'utiliser. No matter your past. Quel que soit ton passé, He will use you. Il va t'utiliser. Because if you accept it, you will become a new creature. Parce que si tu l'as accepté, tu deviendras une nouvelle créature. Jesus did not care about how they were treating this donkey. Jésus n'a pas tenu compte de ce que les gens, comment est-ce qu'on maltraitait la mort. He did not care about maybe what people were saying about this donkey. Il n'a pas tenu compte de ce que les gens disaient de cet anneau. He just went in and took this donkey. Il est allé simplement prendre l'anneau. And use it for his own glory. Il l'a utilisé pour sa propre gloire. Hallelujah. Amen. No matter your background. Quel que soit tes débuts. The Lord will use you. Hallelujah. And no matter what people are saying about you, the Lord will use you. If you are ready to change and give your life to Him. Si tu es seulement si prêt à changer ta vie et lui donner ta vie, il va t'utiliser. He will not go and ask questions from any human being. No. Il ne va pas aller questionner qui que ce soit. He will use you to show the world that He takes the weaker things of the world to comfort the wise. Amen. Il va t'utiliser parce que la Bible dit qu'il prend les choses dans la boue et pour confondre les justes. So my brother, my sister, receive Him this morning. Mes frères et sœurs, reçois-le ce matin. Rededicate your life unto Him. Dédicace ta vie au Seigneur ce matin. And He will use you. Et il va t'utiliser. This donkey, after he was set free. Cet anneau, quand il a été libéré, even his status changed. Même son statut a changé. Because the King of Kings was sitting there. So automatically. Donc automatiquement. Oh, he became also a royal. Il est devenu un roi. Hallelujah. So if you accept this Jesus who is the King of Kings, si tu acceptes Jésus ce matin, hein, you will become a royal. Tu seras dans la royauté. Amen. I'm not afraid of the dark.
que le Seigneur a fait pour nous. The Lord has changed our destiny. Le Seigneur a changé notre destinée. He has changed our trust into testimony. Il a changé notre pensée à un témoignage. So if you receive him this morning, si tu le reçois ce matin, he will change your trials into testimony. Il va changer ta vie à un témoignage. He will change your status. Il va changer ton statut. From prisoner, you will become a prime minister. And like Esther, you will become a queen at a place. Comme Esther, tu seras une princesse. He will change your status. Because he's the one who can change our destiny. Parce que c'est le seul qui peut changer notre destinée. Maybe you are sitting there, you think God does not know what you are going through. Peut-être que tu es assis là, tu te dis le Seigneur ne sait pas ce que tu traverses. God doesn't know your problem. Peut-être que tu te dis le Seigneur ne connaît pas ton problème. Like the case of this donkey. Comme le cas de cet ânon. Maybe he was thinking, oh, nobody sees what I'm going through. Peut-être que tu te dis que personne ne voit ce que je suis en train de traverser. But little did he know that Jesus saw him. L'ânon ne savait pas que le Seigneur l'avait remarqué, l'avait vu. Before he was even tied to that tree. Même avant qu'il ne soit attaché à ce table, oh, Jesus knew him. Le Seigneur le connaissait. And waiting for a day to set him free. Et il attendait le jour propice pour le rendre libre. My brother and my sister, today is your day of deliverance. Le Seigneur, aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. The Lord wants to change your status. Le Seigneur veut changer ton statut. And he wants to change your destiny. Et il veut changer ta destinée. Whatever you are going through, tout ce que tu es en train de traverser, is before him. Et cela est devant lui. He's seen it all. Il voit tout cela. They are not behind him. Ils sont pas derrière lui. They are before ils him. Ils sont devant lui. And he is waiting for you to accept him. Il attend seulement que tu l'acceptes. And he will come and change everything. Et il va venir changer toutes choses dans lui. The Lord knew you before you were born. Le Seigneur te connaissait bien avant ta naissance. I always say that the Lord knew me before I was born. Je dis toujours que le Seigneur me connaissait bien avant ma naissance. Ah, he selected me for his work before I was born. Il m'a sélectionné pendant plusieurs semaines avant que je ne sois né. The same way he has selected you. C'est la même manière il t'a sélectionné également. The reason why I said the Lord, I knew in my spirit and I know I have the proof is that before even I became born again. Raison pour laquelle ce Dieu que j'ai dit, bien avant qu'il me connaissait, c'est lui m'a fait renaître encore. I belong to a denomination where they don't believe in the full Bible. Et je suis dans une, je viens d'une famille où leurs pensées n'ont pas, ils ne croient pas à la Bible. Tout entier. Ils ne croient pas à la Bible tout entière. On lisait seulement le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament. Ils n'ont pas cru à l'Ancien Testament. Les gens lisaient seulement le Nouveau Testament parce que là il y a la bénédiction. We grew up in that environment. Et c'est comme ça nous avons vécu dans cet environnement. And when I was 20 years. Et quand j'avais 20 ans. On my birthday. Et le jour de mon anniversaire. A friend of mine gave me a gift. Un ami m'a donné un cadeau. And when I opened it. Et quand j'ai ouvert. It was a Bible. C'était une Bible. And I laughed. Et j'ai commencé à rire. I said, because of poverty. À cause de la pauvreté. On birthday. À cause de la pauvreté. Hallelujah. You couldn't organize a surprise party. Tu pouvais organiser une petite party de surprise. Or take me to a restaurant to restaurant. To refresh my soul. What would I use it for? Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais l'utiliser quoi? And I mock this friend. Et j'ai commencé à me moquer de cet ami là. Not knowing. Et je ne savais pas. God was giving me a signal. Je suis le messager. That you have been set apart. Et il m'a dit j'étais mis à part. I knew you before you were born. Je te connaissais avant ta naissance. And the day was coming. Et le jour venait. That you hold the Bible. Et tu vas utiliser cette Bible. And proclaim the good news. Et proclame la bonne. God knows all about you. Le Seigneur connaît toutes choses. He has selected you. Il t'a sélectionné. To use for his own glory. Pour sa propre gloire. So avail yourself to him this morning. Donc, faut l'accepter ce matin. And he will take you from Lodeba. Il va te lever de Lodeba. You know,
Lodebar. Vous connaissez Lodebar. In the Old Testament, it's a place of isolation. Et c'est une place d'isolation. Ghetto. C'est un ghetto. In Ghanaian language, we say zongo. Okay. Dans le bloï, en français ou également. Dans le nushi. That dans is Lodebar. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle Lodebar dans la Bible. But the Lord will take you from there. Mais le Seigneur va t'enlever de là. And cause you to sit with kings, priests, and priests. Because he's the one who changed our destiny. Yeah. Parce que c'est lui qui change la destinée. My brother and my sister. Frères et sœurs. Wherever you are this morning. Là où tu te trouves ce matin. If you accept this God. Si tu as accepté ce Dieu. As your Lord and personal Savior. Comme ton Dieu, ton sauveur personnel. Oh, he will change your destiny. And if you have already accepted him also, si tu l'as déjà accepté, I pray je prie that you go and be his witness. Yes. And may your life honor him. Ton in Jesus' name. Amen. 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 Amen.